Mathieu Fisichella, bonsoir. Avant de démarrer votre pitch, une rapide présentation. Donc, vous êtes docteur en biologie cellulaire et moléculaire. Vous êtes également ingénieur en génie biologique, un cursus plutôt scientifique que vous avez doublé d'un cursus en création d'entreprise qui s'appelle Challenge Plus à HEC. Vous n'en êtes pas à votre première création, vu que vous êtes également fondateur d'InBrain Pharma, incubé à Eurasanté. Donc, c'est une société de biotechnologie de 3 salariés qui propose des solutions thérapeutique contre les maladies neurologiques. Et d'ailleurs, l'entreprise observe une belle croissance puisqu'elle a déjà levé plus de 3,2 millions d'euros pour le développement de sa thérapie qui est actuellement en essai clinique phase 1 et 2B. Sur votre parcours entrepreneurial, vous êtes également associé chez Colmeris MedTech, une entreprise d'import de dispositifs médicaux innovants, donc par exemple des pompes implantables ou des pansements anti-hémorragiques, une entreprise qui génère un chiffre d'affaires de 400 000 euros. Et en plus de ça et de votre parcours déjà bien rempli, vous avez également travaillé pour le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives au CNRS, et vous étiez également chef de projet en biologie à la SATNOR, donc la Société d'accélération de transfert et de technologie, où là vous étiez de l'autre côté de la barrière, vous aidiez justement les porteurs de projets à réaliser leurs aspects techniques de propriété intellectuelle, etc. Et aujourd'hui vous êtes du côté du porteur de projet avec InVenice Biotherapy qui développe des biothérapies régénératives à partir de produits du sang, mais je vous laisse vous en dire plus. Place à vous. Merci beaucoup Amandine. En effet, bonjour, je suis donc le docteur Mathieu Fisichella, je suis le CEO et cofondateur d'InVenice Biotherapy. InVenice Biotherapy développe donc une médecine régénérative dédiée au cerveau. La première pathologie que nous ciblons est la sclérose latérale amyotrophique, dite SLA. Qu'est-ce que la SLA, me direz-vous ? Imaginez, vous êtes en train de faire la cuisine, vous essayez de soulever la casserole et vous la trouvez extrêmement lourde. La première fois, vous vous dites, c'est de la fatigue. La deuxième fois, vous allez en parler à votre médecin traitant à l'occasion. Vous lui en parlez, il se montre rassurant. Mais par principe de précaution, on va quand même aller voir un neurologue et faire quelques tests, mais c'est sûrement rien. Et là, le neurologue vous annonce que vous êtes atteint d'une maladie neurodégénérative rare, incurable, qui va évoluer très rapidement vers la paralysie, d'abord musculaire, puis respiratoire, vous privant de toute communication et de votre capacité à vous alimenter. Et avec un décès qui va survenir dans les 2 à 3 ans. C'est ça, la SLA. Notre ambition est triple. La première, c'est de ralentir l'aggravation de la maladie pour que les patients vivent en meilleure qualité, donc qu'ils aient une meilleure qualité de vie également, et aussi et surtout de prolonger l'espérance de vie de ces patients. Comment allons-nous faire ça ? Nous utilisons le système naturel de réparation du corps humain qui est contenu dans les plaquettes. Les plaquettes sont très bien connues pour leur rôle dans la coagulation. Quand on se coupe, c'est elles qui vont faire qu'on va arrêter de saigner. Mais elles ont également un rôle très important dans la cicatrisation. C'est elles qui vont faire qu'on va se régénérer. En effet, elles vont sécréter des facteurs de croissance, des molécules anti-inflammatoires, des molécules antioxydantes qui vont permettre cette régénération tissulaire. Notre idée est simple, c'est de récupérer le contenu de ces plaquettes, de le modifier par un procédé breveté pour le rendre à la fois plus sûr, plus efficace et surtout compatible avec le système nerveux central puisque nous allons le réinjecter directement dans le cerveau. Cette technologie est issue de travaux de recherche académique. Nous avons, avec nos partenaires, déposé 2 brevets académiques. Nous avons un term sheet signé avec la SATNOR qui s'occupe de gérer ces brevets pour une licence mondiale exclusive. Préalablement, bien sûr, nous avons fait la due diligence et la liberté d'exploitation de ces 2 brevets. En termes de résultats, nous avons plus de 10 ans de recherche sur le sujet. Ici, je ne vous en présente qu'un. Sur la souris atteinte de la SLA, la souris SOD, nous voyons en noir, la courbe en noir, en pointillé, il s'agit de souris qui vont non traitées, qui vont développer la maladie à près 90 jours et qui sont toutes mortes après 120 jours. En vert, c'est les souris qui vont recevoir comme traitement le seul traitement commercialisé en Europe qui offre une survie de 3 à 6 mois supplémentaires chez l'homme. Ici, on peut voir qu'on augmente pas la survie globale des animaux. Et avec notre traitement en noir, on augmente de 130% la survie des animaux et certains animaux vont même vivre 3 fois plus longtemps que prévu. Ceci nous laisse espérer un fort impact au niveau clinique chez l'homme. Nous avons d'autres résultats sur ce sujet puisqu'il y a 9 articles scientifiques publiés dans des revues à comité de lecture.
Le marché de la SLA, c'est 250 000 patients dans le monde, pour un marché de 1 milliard de dollars. C'est aussi une voie idéale pour attaquer le marché global des maladies neurodégénératives, comme la maladie de Parkinson ou la maladie d'Alzheimer, qui, elle, représente un marché de 62 milliards de dollars et qu'on souhaite également adresser. En termes de chiffre d'affaires, nous prévoyons au moins 300 millions d'euros juste pour la SLA, que nous allons adresser via une commercialisation directe. Pourquoi ? Pour deux raisons. Un, nous sommes sur une maladie rare et incurable et particulièrement sévère, donc nous allons bénéficier d'un fast-track des autorités réglementaires, ce qui nous permet d'accélérer le développement et de réduire les coûts. Et également, nous avons très peu de concurrents qui sont à la fois compétents dans les produits du sang et en médecine régénérative. L'équipe travaille ensemble depuis plus de 10 ans sur ce projet. Elle est constituée de 2 professeurs de neurologie et chercheurs au CHU de Lille, donc les professeurs Moreau et De Vos, qui font de la recherche translationnelle. C'est-à-dire qu'ils vont faire des études de la cellule jusqu'aux patients qui soignent quotidiennement. Cette équipe a été renforcée par le professeur Burnouf, qui est professeur à l'Université médicale de Taipei, et qui est spécialisé, lui, dans les produits de médecine régénérative à partir de produits du sang. Il a été expert sur ces sujets auprès de l'Organisation mondiale de la santé, et c'est un ancien du laboratoire français de fractionnement et de biotechnologie. Moi-même, Mathieu Fisichella, donc comme présenté, je suis docteur en biologie cellulaire et moléculaire, et préalablement, j'ai créé une première start-up qui s'appelle InBrain Pharma. InBrain Pharma a développé un traitement contre la maladie de Parkinson, et nous sommes partis de 0 il y a 4 ans, et aujourd'hui, nous sommes en essai clinique phase 2B. L'équipe a été renforcée au mois de juin par une responsable administrative, donc Marine Rébier, qui a une formation en droit des affaires, droit des entreprises et droit de propriété intellectuelle, et Alexandre Demailly, qui est pharmacien de formation et qui s'occupe des affaires réglementaires. Et en septembre, un ingénieur d'études, Cédric Lachaud, nous rejoindra pour compléter la partie R&D. Le programme de développement, actuellement, nous avons fait tous les essais préparatoires et nous sommes prêts à débuter. Il nous manque les moyens financiers pour faire les phases précliniques réglementaires dans l'optique d'obtenir l'autorisation des autorités de santé pour débuter l'essai clinique en 2026. Nous avons identifié tous les partenaires et prestataires nécessaires pour la réussite du projet, notamment l'établissement français du sang qui va nous fournir les concentrés plaquettaires, la matière première, et nous avons déjà travaillé avec beaucoup d'entre eux, notamment Flophonix et surtout le CHU de Lille, avec qui nous avons, dans une précédente expérience, InBrain Pharma, réussi à faire un essai clinique. Donc nous avons l'habitude de travailler avec eux. Le coût global de ce projet, c'est 12 millions d'euros. Comme vous pouvez le voir, une grande partie est consacrée à la prestation et à la sous-traitance. C'est un modèle qui nous permet à la fois d'avoir accès à la meilleure compétence possible, d'aller extrêmement rapidement, tout en gardant une structure agile. Sur ces 12 millions d'euros, la moitié sera financée par du financement non dilutif et la moitié par du private equity. Actuellement, nous recherchons 3 millions d'euros pour arriver à l'autorisation de faire l'essai clinique. Et sur ces 3 millions d'euros, 2/3, nous avons des marques d'intérêt de fonds d'investissement pour 2/3 d'entre elles. Nous recherchons donc de 500 000 à 1 million d'euros auprès de vous ce soir. Voilà, je vous remercie beaucoup. Et si vous souhaitez venir échanger avec moi pour participer au premier développement d'un médicament contre les maladies neurodégénératives efficace et construire le leader de demain en médecine régénérative, ce serait un plaisir. Voilà. Merci beaucoup Mathieu. Place aux questions maintenant et aux 7 minutes de questions-réponses. Tout d'abord, moi j'ai une première question. Est-ce que vous pourriez nous montrer concrètement comment ça se passe pour le patient ? Comment sera-t-il équipé ? Oui, bien sûr. Hop. En fait, le patient va être implanté avec ce type de pompe. C'est une pompe qui est déjà commercialisée et déjà implantée chez plusieurs centaines de milliers de patients. Qu'on va mettre au niveau sous-cutané, au niveau abdominal, avec le cathéter que vous voyez qui va passer sous la peau. Donc le patient, il n'y a aucun stigmate, rien n'est visible. Ça passe sous la peau, c'est totalement invisible. Et le petit cathéter va administrer directement le médicament au fur et à mesure des besoins dans le cerveau. La pompe est remplie en fonction des besoins du patient, généralement une fois par semaine, à travers ce petit septum. Donc c'est une simple piqûre au travers de la peau qui n'est pas du tout douloureuse. Donc ce type de soins peut totalement être fait à domicile. Donc l'idée, après les phases cliniques évidemment, c'est de pouvoir faire les soins des patients directement à domicile. Ça prend une demi-heure et le patient retourne à sa vie normale. Voilà. Pour l'instant, vous le disiez dans votre pitch, la technologie s'adresse aux patients atteints de SLA. Est-ce qu'on pourrait imaginer son déploiement sur d'autres types de pathologies ?
Oui, tout à fait. Comme je vous l'ai dit, le mécanisme d'action, c'est vraiment un lisa plaquettaire qui va empêcher la mort des neurones. Donc toute maladie qui est due à la mort des neurones peut être prévenue et empêchée. Nous avons notamment d'excellents résultats, puisqu'il y a parmi les résultats des 9 publications, il y a des résultats sur la maladie de Parkinson ou sur le traumatisme crânien, où on a pu démontrer qu'on réduisait la mort des neurones de plus de 50%. Vous parliez tout à l'heure justement d'un essai clinique en 2026. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Avec qui? Le nombre de patients? Comment il va se dérouler? Bien sûr, merci. L'essai clinique sera fait au CHU de Lille, avec qui nous avons l'habitude de travailler. Il concernera une douzaine de patients. Ça peut paraître peu, mais c'est un premier essai clinique. Et surtout, on est sur une maladie rare. Donc les populations de patients sont vraiment très, très, très réduites. 12 patients sur un an de traitement. Et on espère pouvoir démontrer notamment la safety, mais ça c'est pas très risqué, mais surtout un début d'efficacité grâce à des biomarqueurs. J'ai une question de la salle sur la date des revenus attendus. Quand est-ce que vous avez estimé ça, éventuellement la cession de la technologie, et qu'en est-il de vos brevets? Beaucoup de questions. Alors sur les revenus, on est sur un modèle assez typique de biotech, ça veut dire des revenus à très très long terme et beaucoup de déficits à court terme. Le modèle, comme je l'ai dit, c'était plutôt sur une commercialisation en direct, plus que sur une signature de deal ou de partenariat. Donc on est plutôt sur une espérance de 10 à 15 ans en termes de revenus, ce qui ne veut évidemment pas dire que les personnes qui investiraient aujourd'hui resteraient 10 à 15 ans dans l'entreprise, mais pour que l'entreprise génère des revenus, ce serait 10 à 15 ans a priori. Et l'autre question, c'était sur les brevets. Donc il y a deux brevets, un qui date de 2017 et un qui date de 2016. Donc il y a encore une belle espérance de vie, surtout qu'on est en pharmaceutique et qu'on peut demander 5 ans de prolongation. Mais évidemment, on espère pouvoir, au cours de l'aventure, pouvoir déposer de nouveaux brevets, si c'est possible. J'avais une question. Effectivement, Amandine précisait, il y avait déjà eu deux questions. C'était des questions du public, hein, auxquelles on répond, notamment juste celle d'avant également. C'est vrai qu'en termes de calendrier, ça paraît assez lointain. Est-ce que vous pouvez nous dire finalement, dans le calendrier, les essais cliniques, à partir de quel moment on va pouvoir effectivement avoir un peu plus de visibilité? Et puis après, finalement, quand on crée... La deuxième question que j'avais en tête, quand on crée ce type de, voilà, ce type de biotech, est-ce que derrière ça, on n'a pas très vite l'intention de revendre cet avantage, enfin, ce brevet à un autre acteur mondial? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une possibilité pour vous? Alors, c'est une possibilité, en sachant qu'il n'y a quand même pas énormément d'acteurs qui soient à la fois dans le domaine produit du sang, parce qu'il faut quand même capable d'avoir le savoir-faire de maîtriser ce type de produit. On a Grifols, on a le FB, laboratoire français de fractionnement des biotechnologies. On a quelques gros acteurs comme ça, mais ils sont pas très nombreux. Et ils sont surtout sur des produits sanguins, c'est-à-dire transfusion, coagulation, immunoglobuline, et pas du tout sur la médecine réactive. Donc avoir les deux en plus, c'est beaucoup plus rare. D'où l'idée d'aller en commercialisation en direct. Ça, c'était pour votre deuxième question. Et pour la première question que j'ai presque déjà oubliée, c'était... Le calendrier, quand est-ce que vous passez les essais cliniques, oui, pour donner un peu de visibilité? On débutera l'essai clinique en 2026 et on aura, je pense, très rapidement la preuve que c'est sûr, qu'il n'y a pas de danger pour les patients. C'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape, ça sera de l'efficacité. Et là, ça va dépendre des résultats des patients. C'est-à-dire que si on a un effet sur 12 patients, si on a un effet extrêmement fort, ça va se voir. Si on a un effet plus réduit, il faudra plus de patients pour le démontrer. Donc un essai clinique de phase 2 pure. Et après, un effet de phase 3 pour convaincre définitivement les autorités de santé que ça fonctionne. Et d'autoriser à commercialiser et à rembourser. Chaque essai clinique, on peut compter environ entre 2 et 3 ans en temps. Malgré un processus fast-track. C'est de la pharmaceutique, c'est très long effectivement. J'ai une question sur ces essais cliniques. Ça prend toujours du temps sur ce type de médicaments. Est-ce qu'il n'y a pas maintenant des plateformes qui vous permettent de simuler et de passer par de la simulation? Alors, je sais bien que c'est une maladie rare, c'est peut-être un peu plus complexe à simuler, mais avec des dispositifs qui permettent peut-être de réduire ce délai pour passer à l'étude clinique. Alors on a dépassé ce stade de simulation puisqu'on est sur des tests in vivo chez l'animal et même eux sont difficiles, même les essais cliniques sont extrêmement difficiles. On est dans le domaine des maladies neurodégénératives où il y a eu quand même beaucoup de désillusions.
avec des approches plus ou moins pertinentes. Et surtout, entre guillemets, sur la SLA, qui est la plus sévère et la plus dure des maladies neurodégénératives, là, il y a encore quelques mois, je disais qu'il y avait deux technologies concurrentes, une sur la base de cellules souches et une sur la thématique de thérapie génique. Il y a un an, les cellules souches ont eu un essai clinique de phase 3 négative. Et un autre qui a eu la thérapie génique il y a deux mois, également de phase 3 négative. Donc effectivement, même quand on a des stades très avancés, c'est difficile d'être prédictif. Donc a fortiori, des études très précoces de simulation informatique notamment sont encore moins prédictifs. Après, l'intérêt c'est d'avoir vraiment des biomarqueurs assez précoces pour démontrer l'efficacité et d'avoir une réalité, un œil ouvert et critique sur les résultats, parce que souvent dans l'industrie pharmaceutique, on a des résultats phase 2 un petit peu moyens, mais ça pourrait aller dans le bon sens, donc ça fonctionnait. Et ensuite, on passe en phase 3, et en phase 3, ça ne marche pas, et on vient expliquer que non, mais c'est à faute du placebo, etc. Mais non, il faut, généralement, dès la phase 2, si on est assez sévère avec sa propre technologie, on a plus ou moins de chances d'aboutir. Une toute dernière question pour rester dans le temps imparti des 7 minutes. Quelles peuvent être les synergies que vous pourriez avoir avec InBrain Pharma, par exemple une mutualisation des équipes ou des partenaires? Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable? Tout à fait, c'est déjà le cas pour la mutualisation des équipes, ce qui permet d'avoir accès à plus de compétences à coût équivalent. Les partenaires, une grande partie sont les mêmes, l'Université de Lille, le CHU de Lille, hein, les deux projets ont la même origine, l'Université de Lille et le CHU de Lille, avec qui on collabore beaucoup dans les deux cas. Et à terme, on peut imaginer peut-être un modèle de sortie où InBrain rachèterait une Venice, parce qu'InBrain serait beaucoup développé beaucoup plus vite. Ça peut être une option. Mais pour l'instant, les deux projets sont vraiment juridiquement séparés pour des raisons d'associés. Thierry Burnouf, qui est extrêmement important pour le projet InVenis, n'est pas dans InBrain Pharma. Et pour dire dynamique de projet, InBrain Pharma est beaucoup plus mûr en termes de résultats et beaucoup plus dérisqué. Et le projet InVenis n'intéresse soit pas les gens qui sont intéressés par InBrain, soit inversement, le projet InBrain n'intéresse pas les gens qui sont intéressés par InVenis. Merci beaucoup Mathieu, je vous invite à rejoindre l'Assemblée et j'invite Vincent Gaillard à venir sur scène avec nous pour l'atelier Hirondelle.